If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque mardi, un nouveau projet Carterie à vous proposer. Vous l'aurez très certainement compris en découvrant notre projet du jour avec ses belles ailes colorées. Cet insecte attire tous les regards et c'est justement lui qui sera la star de notre projet du jour. Notre projet du jour, donc, le voici. C'est encore une fois une carte très originale qui mettra en lumière un papillon virevoltant. Vous comprendrez pourquoi juste après, au milieu d'un joli décor bucolique que nous viendrons réaliser nous-mêmes. Si donc vous apercevez la carte vue de côté, mais vue de face, elle pourra être posée de cette manière pour pouvoir en faire un véritable objet de décoration et pouvoir apposer cette petite carte dans nos intérieurs. C'est également une carte qui va pouvoir être pliée, comme vous pouvez le voir, de cette manière pour pouvoir être envoyée facilement par la poste dans une enveloppe. L'originalité de cette carte va se trouver tout d'abord dans sa forme. Comme vous pouvez le voir, nous avons une carte très originale qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais vous allez voir également qu'elle cache en son centre un petit secret, une petite magie supplémentaire. Comme vous pouvez le voir, donc, nous retrouvons au centre notre papillon. Et comme je l'ai nommé, c'est un petit papillon virevoltant. Vous allez le voir, il vous suffit simplement de tourner dans un sens ou dans l'autre notre papillon, comme je vais le faire juste ici. Donc je vais le tourner sur la gauche. Et il suffit ensuite de le lâcher pour pouvoir, vous le voyez, obtenir un joli petit papillon virevoltant. Effet magique garanti qui va plaire tant aux petits qu'aux grands. L'illusion parfaite d'un véritable papillon virevoltant au milieu d'un joli décor fleuri. Donc si cette jolie carte au papillon virevoltant vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, cette carte, comme vous pouvez le voir, a été réalisée dans plusieurs teintes de couleurs, qui sont à savoir la couleur Melon Mambo pour la base du papier de notre carte, et donc également utiliser la couleur Melon Mambo, notamment pour mes grosses fleurs. Au niveau des petites fleurs qui se trouvent juste ici, j'ai utilisé la couleur Fruits des Bois, également utilisé la couleur Narcisse Délice pour certaines de mes fleurs, pour apporter un joli contraste. Et enfin, au niveau des feuillages, j'ai utilisé la couleur Juste Jade. Aujourd'hui, comme d'habitude, pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Nous allons réaliser notre projet du jour en couleur souffle de décume, un joli bleu tout doux. Pour réaliser notre projet du jour, vous allez donc avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent chacun 11 cm par 15 cm. Notez que vous allez pouvoir réaliser ce projet dans différentes tailles, selon vos goûts et envies. Vous allez pouvoir adapter ce projet à toutes les tailles que vous le souhaitez, simplement en diminuant ou en augmentant les mesures. Vous allez ensuite avoir besoin de panneaux murmure blanc, venir décorer les 4 côtés de notre jolie carte et ces 8 morceaux de papier doivent mesurer chacun 5 cm par 14,5 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons venir marquer des plis dans nos 4 morceaux de papier donc pour la base de notre carte, donc pour moi en couleur souffle d'écume qui mesure 11 par 15 cm et dans la largeur des 11 cm, donc dans la hauteur, nous allons venir marquer un pli au centre à 5,5 cm sur chacun de nos 4 papiers. Je viens cette fois-ci les marquer correctement à l'aide de mon plioir en os. Les 4 morceaux viendront donc réaliser la base de notre carte pour avoir nos 8 parties différentes. Prochaine étape, nous allons venir décorer chacun de nos 8 panneaux en couleur murmure blanc pour venir leur donner cet aspect fleuri et apporter un décor bucolique à notre joli papillon virevoltant. Pour venir décorer ces 8 panneaux murmure blanc, nous allons utiliser un seul set de tampons qui sera coordonné à son set de dies, comme d'habitude. Vous savez que nous retrouvons à chaque fois notre set de tampons coordonné à notre dies ou à notre perforatrice pour pouvoir les découper plus facilement et très proprement. Aujourd'hui, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Plein de Bonheur. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est un set qui se compose de tout plein de jolies fleurs. Vous pouvez le remarquer, c'est un tampon qui va se réaliser en plusieurs étapes. Nous retrouvons à chaque fois différentes fleurs avec différentes étapes. À chaque fois, nous retrouvons un premier tamponnage plein, avec ensuite des tampons beaucoup plus détaillés pour obtenir un joli relief et quelque chose de très naturel.
Nous retrouvons également sur ce set de tampons plusieurs messages. Nous retrouvons le petit message « Je suis là pour toi ». Personne ne me comprend mieux que toi. Je te souhaite tout plein de bonheur. Ou encore, avec toi, le parfum des fleurs est plus doux et le soleil plus radieux. De jolis petits messages à utiliser pour toutes les occasions de l'année. Aujourd'hui, pour notre projet de jour, nous allons utiliser donc plusieurs tamponnages que nous allons venir réaliser sur chacun de nos différents panneaux. Et nous allons également venir réaliser des tamponnages que nous allons découper avec nos dies coordonnées que nous viendrons ensuite coller en relief pour obtenir encore quelque chose de plus joli. Et une fois que nous aurons tamponné nos jolies fleurs, nous viendrons utiliser nos poinçons qui se nomment fleurs fabuleuses, qui comprennent, comme vous pouvez le voir, nos jolies découpes de fleurs, mais également nos feuillages. Et nous retrouvons ici une jolie bordure texture pour apporter un joli effet sur nos réalisations. Encore une fois, nous allons réaliser notre projet du jour dans différentes couleurs. Nous allons évidemment utiliser notre couleur souffle d'écume, donc la même couleur que notre papier de base. Je vais également utiliser un bleu un petit peu plus foncé pour venir faire le centre de mes fleurs, et je vais utiliser la couleur mystérieuse brume. Concernant mon feuillage, je vais utiliser la couleur macaron à la menthe. Et enfin, pour mes autres fleurs, je vais venir utiliser deux autres couleurs, à savoir la couleur beau bourdon, notre toute nouvelle couleur incolore. Et je vais également utiliser la couleur rose rococo, qui, vous voyez, se marie parfaitement bien ensemble. Je vais à chaque fois réaliser la même décoration, les mêmes tamponnages sur chacun de mes 8 panneaux. Et à chaque fois, tamponner l'un et l'autre, donc à chaque fois 4 morceaux de papier et 4 autres morceaux de papier d'un côté et de l'autre pour avoir une symétrie parfaite au niveau de ma carte et avoir les tamponnages exactement au même endroit d'un côté et de l'autre de mon panneau. Et puisque ce sont des tampons en résine qui ne sont pas montés donc sur caoutchouc, je vais utiliser mon tapis en mousse pour avoir un tamponnage beaucoup plus réussi et beaucoup plus précis. Première étape, je vais commencer par venir tamponner ici ma fleur en plusieurs étapes et je vais la tamponner en couleur beau bourdon. Pour pouvoir tamponner en plusieurs étapes, je vais commencer par tamponner mon tampon le plus épais, donc le tampon plein. Je vais ensuite tamponner mon tampon un petit peu plus détaillé. Et ensuite, je vais terminer par mon troisième tamponnage, le tampon le plus fin. Pour pouvoir venir réaliser un tamponnage en plusieurs étapes, il va vous falloir tamponner en plusieurs générations. C'est justement ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Pour pouvoir tamponner plus facilement et m'y retrouver, j'ai donc placé mes 3 tampons différents, donc mes 3 fleurs différentes, sur 3 blocs différents, en partant du plus gros au plus petit. Je sais de cette manière que je dois commencer par mon premier tampon le plus gros, ensuite par mon tampon moyen et terminer par mon tampon le plus fin, le plus petit. On va commencer donc par tamponner notre tampon le plus gros, donc le troisième. La petite astuce, c'est de vous dire que votre troisième tampon, vous allez devoir venir le tamponner sur votre morceau de papier au bout de la troisième fois. Notre second tampon qui se trouve juste ici, nous allons venir le tamponner au bout de la deuxième fois. Et pour le premier tampon, nous allons venir le tamponner directement sur notre morceau de papier. Donc 3, 2, 1 pour vous permettre de vous y retrouver plus facilement. Et pour pouvoir venir tamponner au bout de la troisième fois sur notre morceau de papier et au bout de la deuxième fois sur notre morceau de papier pour celui du milieu, nous allons devoir venir tamponner plusieurs fois sur un morceau de papier de brouillon avant de venir tamponner sur notre papier final. Je commence par préparer mon encreur, donc ici je vais utiliser l'encre en couleur beau bourdon et nous allons pouvoir venir passer au tamponnage. Je commence donc par ma fleur la plus grosse, donc mon troisième tampon, mon bloc acrylique le plus gros et je viens chercher mon encre, je viens prendre un morceau de papier de brouillon et je vais venir tamponner deux fois sur mon morceau de papier de brouillon et la troisième fois je viens tamponner sur mon morceau de papier murmure blanc. De cette manière. Concernant mon deuxième tampon, donc celui qui se trouve sur mon deuxième bloc acrylique en termes de taille, je viens cette fois-ci à nouveau l'ancrer et je viens décharger l'encre une seule fois cette fois-ci pour venir tamponner au bout de la deuxième fois sur mon morceau de papier murmure blanc. Je viens m'aligner sur mon tampon de cette manière. Et ensuite je prends mon troisième et dernier tampon et cette fois-ci je ne vais pas décharger, j'y vais directement avec mon premier tampon. Donc je viens ancrer et je viens réaliser mon tamponnage directement sur mes autres tampons de cette manière. Et vous le voyez, nous obtenons un dégradé, un relief parfait au niveau de notre tamponnage pour avoir un effet supplémentaire et avoir quelque chose de très naturel. Je vais donc faire exactement la même chose sur mes autres morceaux de papier. Je vais commencer par faire tous mes tampons troisième génération, je vais ensuite tamponner en deuxième génération et je viendrai ensuite faire mes derniers tampons d'une seule fois pour pouvoir aller plus vite et afin de ne pas m'en mêler les pinceaux. Je viens donc réaliser tous mes tamponnages en couleur beau bourdon et je vous retrouve juste après.
venir tamponner dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais tamponner mon tampon sur l'eau sur la droite au lieu de sur la gauche. Je vais tamponner mon tampon du centre sur la gauche au lieu de sur la droite, comme ici. Et sur le bas, je vais venir tamponner sur la droite au lieu de sur la gauche, comme sur mon précédent projet, comme je vous l'ai dit, pour avoir quelque chose de symétrique au niveau de tout mon projet. De manière à avoir des fleurs dans chacun des coins, mais de l'autre côté, ici à gauche et à droite, ici à gauche et à droite, mais également ici à droite et à gauche pour mon autre morceau de papier. Je viens faire donc la même chose du même côté pour mettre trois autres morceaux de papier. Une fois que j'ai réalisé tous mes tamponnages en troisième génération sur mes 8 morceaux de papier, je viens cette fois-ci prendre mon tampon un petit peu plus détaillé, donc le moyen, que je vais cette fois-ci venir tamponner en seconde génération. Je vais donc tamponner une seule fois sur mon morceau de papier de brouillon, contrairement à mon premier que j'ai tamponné deux fois. Une fois que j'ai tamponné une fois sur mon morceau de papier de brouillon, je viens m'aligner bord à bord avec mon tampon pour avoir mon tampon de seconde génération. Pour avoir, vous le voyez, un tampon un petit peu plus détaillé avec différents reliefs. Une fois que tous mes tamponnages en seconde génération ont été réalisés sur mes 8 morceaux de papier, je viens cette fois-ci réaliser mon dernier tamponnage, cette fois-ci en première génération. Je viens donc directement chercher mon encre et tamponner sur mon morceau de papier. Je ne viens plus enlever l'excédent d'encre sur un morceau de papier de brouillon. Nous avons toutes nos fleurs réalisées donc en beau bourdon et en trois étapes sur nos 8 morceaux de papier, nous allons venir réaliser nos secondes petites fleurs en plusieurs étapes également. Et cette fois-ci, nous allons venir tamponner ces petites fleurs qui se trouvent juste ici. Donc je vais simplement venir tamponner, donc vous avez la plus grosse, la moyenne et la plus petite. Ici pour notre projet du jour, je vais venir tamponner uniquement le centre de ma fleur avec la partie la plus détaillée. Donc je vais utiliser ce tampon là et le plus petit que je vais donc tamponner pour le premier en seconde génération. Et en première génération, donc je vais venir tamponner directement mon petit tampon sur mon morceau de papier. Et pour pouvoir venir les réaliser, je vais utiliser cette fois-ci mon encre en couleur rose rococo. Que nos tamponnages donc en couleur rose rococo ont été réalisés sur nos 8 morceaux de papier murmure blanc, nous allons cette fois-ci venir réaliser les tamponnages de nos feuillages et je vais venir les tamponner en couleur macaron à la menthe et cette fois-ci je vais venir les tamponner directement sur mon morceau de papier. Et si comme pour moi ici vous avez un tampon trop juteux, donc trop ancré, vous venez simplement avec une règle ou une vieille carte de visite ou une vieille carte téléphonique racler votre tapis mousse pour venir enlever l'excédent d'encre et venir la poser d'un côté ou de l'autre de cette manière. Une fois tous nos tamponnages réalisés, voici ce que ça donne sur nos 8 panneaux murmure blanc, donc d'un côté ou de l'autre de notre papier, pour avoir une symétrie parfaite au niveau de notre projet. Et cette fois-ci, puisque ce n'est pas tout, malgré que ce soit déjà très joli avec ces tamponnages, on pourrait en faire par exemple, pourquoi pas, des adorables petits marque-pages. Je trouve que ça fait super joli en venant simplement perforer le haut de notre papier. Mais ce n'est pas le sujet de notre projet du jour, puisque nous allons venir à nouveau réaliser des tamponnages, mais cette fois-ci sur des chutes de papier murmure blanc pour venir les coller cette fois-ci en relief. Nous allons donc avoir besoin de chutes de papier murmure blanc pour venir réaliser nos tamponnages. Et nous allons cette fois-ci venir utiliser plusieurs tampons. Au niveau de mon feuillage, j'ai utilisé ma branche à 3 feuilles juste ici. Et cette fois-ci, je vais venir tamponner la plus petite qui se trouve juste ici à 2 branches que je vais tamponner plusieurs fois à nouveau en couleur macaron à la menthe et directement sur mon papier.
Je vais également venir tamponner des fleurs. Cette fois-ci, puisque nous avons utilisé cette fleur qui est juste ici, nous allons utiliser celle-ci. Et je vais venir la tamponner à nouveau en plusieurs générations. Je vais tamponner donc la base de ma fleur, la partie la moins détaillée, juste ici, en couleur souffle d'écume, donc la même couleur que notre papier de base. Et concernant les parties du milieu, les parties plus détaillées, je vais les tamponner en couleur mystérieuse brume. Je vais venir tamponner donc en seconde génération ma partie juste ici. Et pour la partie la plus détaillée, je viendrai la tamponner directement sur mon papier. Temps pour moi de placer tous mes tampons sur mes blocs acryliques et je vous retrouve juste après pour vous montrer plus en détail. J'ai donc placé mon petit tapis en mousse en dessous mon morceau de papier murmure blanc et mon encreur en couleur soufflé d'écume. Et je vais venir tamponner en troisième génération ma plus grosse fleur, donc la moins détaillée. Et je vais la tamponner 10 fois sur mon morceau de papier murmure blanc. Une fois que j'ai donc mes 10 fleurs qui sont tamponnées en troisième génération, je viens cette fois-ci tamponner, utiliser donc mon tampon qui est un petit peu plus détaillé, donc le deuxième, et je vais venir le tamponner cette fois-ci en couleur mystérieuse brume en seconde génération. Une fois mon tamponnage en seconde génération réalisé, je viens utiliser cette fois-ci mon dernier tamponnage le plus détaillé et je viens directement tamponner sur mon morceau de papier. Vous le voyez, d'obtenir ceci, nous avons donc un tamponnage en trois générations, une partie beaucoup plus claire, une partie un petit peu plus foncée, plus détaillée, et notre dernière partie qui est la plus foncée, mais qui est également la plus détaillée. Et cette fois-ci, avant de venir tout découper, je viens réaliser 11 fois mon feuillage sur une chute de papier en couleur murmure blanc. Une fois tous nos tamponnages réalisés, nous allons cette fois-ci reprendre nos poinçons fleurs merveilleuses qui sont coordonnés donc à notre set de tampons et nous allons venir découper nos tamponnages. Donc au niveau de ma fleur, donc je vais prendre ma fleur qui se trouve juste ici et je vais pouvoir venir la découper. Concernant mon feuillage, je vais prendre mon dies juste ici pour venir le découper. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Que l'on obtient nos jolies fleurs et nos jolis tamponnages une fois qu'ils sont tamponnés et découpés. Cette fois-ci, nous allons mettre de côté tous ces tamponnages et nous viendrons les coller par la suite en relief. Cette fois-ci, nous allons reprendre nos 4 panneaux en couleur soufflé d'écume que nous avons pliés au centre à 5,5 cm, mais également nos 10 panneaux murmure blanc que nous avons tamponnés et décorés, et nous allons venir coller ces panneaux murmure blanc sur nos panneaux en couleur soufflé d'écume. Pour pouvoir les coller, je vais donc les centrer au niveau de mes deux panneaux et je vais coller un panneau avec mes tamponnages d'un côté et un panneau avec mes tamponnages de l'autre côté pour pouvoir, comme vous le voyez, avoir quelque chose de symétrique au niveau de mon projet. Je fais attention de coller la partie de droite où j'ai tamponné mes fleurs sur la gauche et ma partie de gauche où j'ai tamponné mes fleurs sur la droite. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé une partie un petit peu plus vide ici à ce niveau-là, au niveau du centre de chaque côté, puisque c'est la partie où nous allons venir découper notre fenêtre et donc où nous n'aurons plus nos tamponnages. Donc je colle tous mes panneaux murmure blanc sur mes morceaux de papier en couleur souffle d'écume et je vous retrouve juste après. Une fois que nous avons collé nos panneaux murmure blanc avec nos tamponnages sur notre papier souffle d'écume, voici ce que ça donne. Vous voyez, ça donne quelque chose de très doux. J'aime beaucoup. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons devoir venir réaliser l'ouverture au niveau du centre de chacun de nos panneaux pour pouvoir justement laisser apparaître notre petit papillon virevoltant. Pour pouvoir venir réaliser une ouverture originale, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment Tendre Douceur avec de jolies étiquettes à l'intérieur et c'est justement l'une d'elles qui va nous permettre de faire une jolie ouverture au niveau du centre de notre papier. Une fois, pour ce projet, vous allez pouvoir laisser aller votre imagination et réaliser la forme d'ouverture que vous souhaitez. Nous aurions pu utiliser par exemple ici nos rectangles ou par exemple un cercle, mais ici pour avoir quelque chose d'original, je voulais utiliser cette forme de dies ici. Nous allons donc utiliser notre étiquette qui se trouve juste ici. Je vais venir la placer sur ma Big Shot au niveau du centre de chacun
de nos papiers à ce niveau-là, en faisant attention d'avoir le même espace en haut, en bas, à gauche et à droite. Et afin d'être encore plus précise, je vais m'aider d'une règle pour pouvoir être sûre que mes ouvertures se fassent à même distance dans chacun de mes 4 morceaux de papier. Donc je passe ça dans chacun de mes morceaux de papier dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Vous le voyez, d'obtenir cette jolie ouverture au niveau du centre de nos papiers. Et vous le voyez, ils sont parfaitement à même distance sur tous mes morceaux de papier. La petite astuce, et je vous recommande vivement, d'utiliser une plateforme magnétique afin d'être sûr que votre dies ne bouge pas le temps que vous tournez la manivelle. Si vous utilisez le même dies que moi, vous devrez avoir 2,3 cm à gauche et à droite et 5 cm en haut et en bas. Cette fois-ci, et avant de continuer, nous allons apporter une décoration supplémentaire au niveau de la fenêtre du centre de notre projet. Et pour cela, nous allons à nouveau reprendre nos poinçons tendre douceur. Nous allons à nouveau reprendre le même dies dont nous nous sommes servis pour venir découper notre fenêtre. Et je vais utiliser le dies un petit peu plus grand, donc celui-ci. Je vais venir les passer de cette manière dans la Big Shot, dans une chute de papier en couleur souffle d'écume, pour pouvoir avoir une jolie bordure que nous viendrons coller tout autour. Je passe mes dies de cette manière et dans une chute de papier en couleur souffle d'écume dans la Big Shot 4 fois et je vous retrouve juste après. Et une fois passé dans la Big Shot, vous le voyez que nous obtenons nos 4 jolis cadres qui vont pouvoir venir entourer nos fenêtres et nous obtenons également 4 jolies étiquettes que l'on utilisera dans un nouveau projet. Je vais donc cette fois-ci reprendre mes 4 panneaux, je vais ajouter de la colle au dos de chacun de mes cadres et je vais venir les coller ici à ce niveau-là autour de mon ouverture pour pouvoir, vous le voyez, obtenir quelque chose de beaucoup plus joli. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Vous le voyez d'obtenir ceci sur tous nos panneaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve clairement qu'un simple petit quelque chose comme ici notre cadre vient changer totalement l'allure d'une réalisation. Voici, avant de venir assembler nos 4 panneaux et avant de venir ajouter notre petit papillon virevoltant au niveau du centre, nous allons reprendre toutes nos jolies découpes, tous nos jolis tamponnages que nous avons réalisés tout à l'heure et nous allons venir les coller au niveau de nos 4 panneaux en relief en leur ajoutant donc des petites mousses 3D. Concernant mes petites fleurs, je vais leur ajouter des mini estampines dimensionnelles, parfaitement adaptées à la taille de mes petites découpes. Concernant mes plus grandes fleurs, je vais leur ajouter des estampines dimensionnelles sur le dos et je vais venir les coller au niveau des côtés de chacun de mes 4 panneaux. Comme vous pouvez le voir, je suis venue coller donc toutes mes fleurs en relief et pour certaines, je les ai fait volontairement dépasser du cadre. Cette fois-ci, je vais venir couper l'excédent à l'aide de mes ciseaux. Vous voyez, obtenir ceci. Et je fais donc la même chose sur mes 3 autres morceaux de papier avant de venir ensuite coller mon feuillage à nouveau en relief. Récupérer certaines des parties que je suis venue couper pour venir les ajouter à nouveau sur mes morceaux de papier en ajoutant des petites mousses 3D sur le dos. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur nos différents panneaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme vous pouvez le voir, un simple set de tampons peut nous permettre de réaliser de magnifiques réalisations, même sans papier à motif. Et vraiment, je trouve le même résultat magnifique. Cette fois-ci, avant d'en avoir terminé avec nos panneaux, nous allons venir leur ajouter une dernière petite touche finale. Et pour cela, je vais simplement venir utiliser les pois laqués dans la collection InColor 2020-2022. Et je vais en ajouter un petit peu partout en couleur beau bourdon pour être coordonné à nos jolies fleurs. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur nos panneaux. Vous voyez, nos petits pois laqués font ressortir nos jolies fleurs en couleur beau bourdon.
Cette fois-ci, nous allons venir réaliser notre papillon qui va justement être la star de notre projet. Et pour réaliser ce joli papillon, nous allons utiliser notre set de tampons papillon attentionné. C'est un set que vous connaissez déjà si vous me suivez. Je l'utilise très souvent, notamment pour réaliser cet adorable papillon qui se trouve juste ici, mais également nos adorables petits messages. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais venir tamponner donc deux fois mon joli papillon ici qui est magnifiquement bien détaillé à l'intérieur. Je vais venir donc le tamponner deux fois. Je vais le tamponner en couleur souffle d'écume. Vous le voyez, d'obtenir de jolis papillons très bien détaillés à l'intérieur. Et pour venir les découper, encore une fois, nous avons notre perforatrice coordonnée, la perforatrice papillon en duo. Une fois que nous avons nos deux jolis papillons qui sont tamponnés et découpés, nous allons cette fois-ci avoir besoin de ficelles. Et pour cela, je vais utiliser mon fil de lin et je vais venir en couper un morceau. Et je vais coller ce fil de lin au niveau du centre de mon papillon, au niveau donc de son corps, à ce niveau-là, de cette manière. Et je vais venir recouvrir mon deuxième papillon afin que mon fil soit pris au niveau du centre de mes papillons à l'intérieur. Et pour pouvoir venir coller ce fil de lin, je vais utiliser un rouleau adhésif découpe facile. Je retire la petite protection et je viens ajouter mon fil de lin au niveau du centre en laissant dépasser les extrémités en haut et en bas à peu près la même longueur. Et j'ajoute de la colle sur mon deuxième papillon. D'avoir mon fil de lin qui soit parfaitement pris à l'intérieur de mes deux papillons. Cette fois-ci, nous allons venir ajouter ce papillon au niveau du centre de notre projet. Pour cela, je vais prendre l'un de mes quatre panneaux, je vais le retourner de cette manière et je vais venir coller au niveau du centre, donc pile poil sur ma marque de pli. Je vais aligner donc mon fil de lin avec ma marque de pli. Vous le voyez, de cette manière, je vais centrer mon papillon au niveau de ma fenêtre, de cette manière. Et pour pouvoir venir le coller, je vais ajouter du rouleau adhésif, un morceau au niveau du haut et un morceau au niveau du bas. Et je vais venir apposer mon fil de lin par-dessus mon adhésif de cette manière. Je viendrai ensuite ajouter à nouveau un morceau d'adhésif sur ce même fil de lin en haut et en bas. Que j'ai collé mon papillon, vous le voyez de cette manière, donc j'ai collé mon fil de lin sur mon adhésif en haut et en bas, je viens à nouveau ajouter un morceau d'adhésif sur ce même fil de lin pour être sûr qu'il soit bien pris entre ma colle. Je viens couper les extrémités en haut et en bas. Une fois que nous avons ceci à l'arrière de notre panneau, nous allons pouvoir le retourner et venir à nouveau marquer correctement le pli au niveau du centre de cette manière. Et je vais faire exactement la même chose sur mes autres morceaux de papier pour que notre découpe que nous avons ajoutée au niveau de la fenêtre puisse être également pliée. Vous voyez que tous nos panneaux sont désormais parfaitement pliés et nous avons notre papillon au centre de notre fenêtre qui bouge parfaitement bien. Et comme vous allez pouvoir le voir, nous avons un petit papillon virevoltant au niveau de notre fenêtre. Cette fois-ci, la dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour, nous allons devoir venir assembler nos quatre parties pour obtenir notre jolie carte originale. Pour pouvoir venir assembler nos quatre panneaux, je vais commencer par prendre le panneau avec notre papillon au niveau du centre, je vais le plier et je vais ajouter de la colle ici sur la partie de droite. Je vais venir apposer une seconde partie en faisant attention d'être bien aligné sur mes côtés mais également au niveau du centre. Je vais à nouveau replier, ajouter de la colle, à nouveau ajouter un second panneau et cette fois-ci je viendrai ajouter de la colle d'un côté mais également de l'autre pour apposer ma dernière partie. Une fois que
j'ai ajouté mes trois panneaux, je viens ajouter de la colle sur les deux parties pour pouvoir ajouter mon dernier morceau de papier. Et vous le voyez que nous obtenons cette fois-ci notre jolie carte originale avec notre petit papillon à l'intérieur et en le faisant tourner d'un côté ou de l'autre, en l'enroulant sur lui-même et en le relâchant, nous obtenons notre petit papillon virevoltant. Et comme vous pouvez le voir, notre carte se replie parfaitement pour pouvoir être glissée dans une enveloppe et pouvoir être envoyée. Notre jolie carte papillon virevoltant est désormais terminée. Donc voici comment elle se présente. Nous retrouvons nos jolis panneaux qui ont été tamponnés et décorés grâce à notre set de tampons et nos découpes. Et notre jolie fenêtre à l'intérieur qui laisse apparaître notre joli papillon dans ce joli décor bucolique. Ici donc notre version du jour en couleur souffle d'écume, une version beaucoup plus douce que ma version précédente en couleur melon mambo. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet virevoltant vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous souhaite une belle soirée et je vous donne rendez-vous vendredi 20h, même endroit, pour découvrir notre projet hebdomadaire. Au revoir.